Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 22 du World Truth sur Assassin's Creed Brotherhood. Alors on est toujours sur le menu pause hein, pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir l'épisode numéro 21. Nous sommes en pause, pourquoi? Puisque nous avons vu quelqu'un qui nous espionnait, une personne qui était présente lors de l'attaque de Monteleggioni. Donc on va tout de suite la poursuivre. Donc c'est parti! Et voilà. Donc là, oh attendez, attendez juste 2 secondes, je suis désolé. Hop, comme ça vous n'allez pas entendre le son en double. On est reparti. Donc on va le rattraper, hein. On ne sait pas c'est qui, mais on l'avait vu. Par contre, je ne sprinte pas là. Si c'est bon. Je sprinte, oh purée. En tout cas, vous pouvez voir qu'il est protégé par les soldats. Donc pourquoi, on ne sait pas pour l'instant. Mais en tout cas, l'histoire va prendre un grand tournant. J'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, on va avancer plus que dans l'épisode précédent, hein. Parce que dans l'épisode précédent, on va pas se mentir, on avait juste fait la moitié de l'épisode, enfin la moitié, on va dire la moitié restante de ce qu'on avait fait dans l'épisode numéro 20. On avait continué la mission, donc pour l'instant on n'a pas vraiment fait de nouvelles missions, on enchaîne l'histoire tout simplement. Hop là, l'avantage c'est que je peux passer parmi eux. Donc là on enchaîne l'histoire et on va pouvoir avancer j'espère à grands pas. En tout cas en restant dans le banc, ça m'étonnerait pour eux. On va pouvoir continuer. Oh bah il a retourné sur ses pas. Et t'aurais pas dû, mec, t'aurais pas dû. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous fait plaisir de nous retrouver, de se retrouver pour ce nouvel épisode du World Truth. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de continuer, voilà, sur Assassin's Creed Brotherhood. J'espère que vous allez bien. Ah ah ah, toi tu me tapes pas derrière. J'espère que vous allez bien, en tout cas, malgré que bah il fasse moins beau quand même que cet été. En tout cas, la fin de l'été était assez dégueulasse. Et là, ça reprend. Pourquoi t'es-tu enfui? Je... C'est toi le traître, pas Machiavelli. Longue vie au Borgia! Merde. J'avais raison. Je dois trouver la Volpe avant qu'il ne tue Machiavelli. Retourner auprès de la Volpe, donc c'est toujours pas fini. Il faut vite retourner. Puisque rappelez-vous, en fait, la Volpe et Dio soupçonnaient un peu Machiavelli d'être en larbin, d'être sous l'ordre de César et donc d'être un traître parmi les assassins. Or, c'est totalement faux, hein, d'après ce que nous dit cet homme. Apparemment, c'est faux. Et Machiavelli n'est pas un traître. C'était lui le traître, celui qui vient de se tuer, j'allais dire qu'on a tué, mais non. Et d'ailleurs, cette scène où il se tue là tout de suite. Ça me fait un peu rappeler, voilà, très vaguement, hein, pour ceux qui vont dire « Oh là, tu cherches loin », ça me fait rappeler très vaguement la scène dans Assassin's Creed Lineage où que le mec se tue quand Giovanni, le père d'Ezio, voulait tuer. Giovanni lui a demandé des infos et le mec se plante la lame carrément de Giovanni dans la gorge. Je sais qui est le traître. Quoi? Un de nos hommes. Il était à la villa. Regarde, il avait cette lettre. Dio mio. C'est une bonne nouvelle? Plus que tu ne crois. J'ai une nouvelle dette envers toi, Ezio. Entre deux amis qui s'estiment, les dettes n'ont pas lieu d'être. Ouais. Merci de m'avoir transmis le message à temps. Bien, Niccolo. Il y a longtemps que nous n'avons pas bavardé. J'ai appris que la passion jouée au Colisée a eu un final inattendu. Ah bon? Apparemment, Jésus-Christ a ressuscité avec 3 jours d'avance. Donc voilà, la mission fut rude, mais on a enfin réussi, enfin, à terminer cette longue mission. Qui était vraiment, c'est vraiment pas ma préférée, donc bon, ça fait plaisir d'avoir enfin fini ça. On va racheter quelques petits trucs parce que normalement on a eu de l'argent, donc pour l'instant on n'en a pas, hein. Mais on va aller à la banque et retirer un peu d'argent. Je suis désolé, hein, j'avais dit qu'on continuait le solo. Je retire juste de l'argent ici. On va juste aider aussi le futur apprenti assassin qui est juste à côté. On va en profiter après, je vous promets qu'on va continuer. Retirer de l'argent. On a 24 000, c'est magnifique. S'il y a un petit forgeron dans le coin, ça serait magnifique. Normalement, il y en a un. Il y en a un, c'est impeccable. Il est là. Il est là, il est beau, il est frais. On va se refaire une nouvelle armure, voire même autre chose. Attendez, on va voir ce qu'il y a. Alors, on va pas tout de suite
Alors déjà on va racheter des balles. J'entends des bruits chelous chez moi, c'est un truc oui. J'espère que vous l'avez pas entendu, ça fait un peu trembler les murs, je sais pas ce que c'était. J'espère juste que c'est pas de l'orage, sinon on aurait l'air de con. Que je grille en live. Alors petite arme, on va pas en racheter. Voilà, on va racheter de l'armure. On va d'abord tout réparer aussi. Accessoirement, c'est pas dégueulasse. On va racheter alors jambière de plaque, c'est parti. Plastron de plaque. Et puis c'est tout, parce qu'apparemment on n'a plus d'argent. Bon bah tant pis. Et bah c'est tout hein, apparemment. Bon déjà on a racheté 2-3 petits trucs. Et Dio va être un peu plus beau et puis un peu plus déjà protégé. On va vite fait aller sauver le petit citoyen qui est là-bas. C'est vrai que j'utilise pas vraiment mes assassins, mais... Oh, est-ce qu'on va le sauver ou pas? Non, non. On va pas l'aider, tant pis, c'est pas grave, on n'aura pas d'assassin pour l'instant. Enfin, on n'aura pas un assassin en plus, du moins. Quand on va rentrer, si ça lance une mission aussitôt, bah tant pis. Mais sinon, je vais juste envoyer mes assassins en quête, hein. Juste, ça prendra 2 secondes, je tiens juste à vous le dire avant. Comme ça, vous ne soyez pas étonné que j'aille tout de suite vers la cage. Vers la table où qu'on peut envoyer nos assassins en mission. Logiquement, je pense que ça envoie une quête aussitôt que ça va lancer. Je pense. On va voir ça tout de suite. Volpe, quelle nouvelle de Rome? Tout se passe bien. Les Français et les troupes du pape sont en déroute. Alors l'heure est venue. Rassemble les assassins. Et fais venir Claudia. Maintenant? Oui. La Shahaya Wahak, Boutlak Balek Kulun Mumkin. Ces mots expriment toute la sagesse de notre credo. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Claudia, nous consacrons tous nos vies à défendre la liberté de l'humanité. Mario, notre père, et notre frère se tenaient autour de ce feu pour combattre les ténèbres. Aujourd'hui, ce même choix s'offre à toi. Sois des nôtres. À de multiples occasions, nous avons été en désaccord, toi et moi. Niccolo. Mais je reconnais que notre ordre avait besoin d'un homme comme toi. Tu as mené le combat contre les Templiers et reconstruit notre confrérie. Maintenant, Ezio doit occuper la place qui lui revient, celle de chef de tous les assassins. Ezio Auditore da Firenze. Dorénavant, nous t'appellerons il Mentore, le gardien de notre ordre et de nos secrets. Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi que rien n'est vrai. Quand la morale ou la loi bâillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi que tout est permis. Pourquoi ce revirement soudain? J'ai toujours été à tes côtés. Vois-tu, c'est moi qui t'ai fait venir à Rome. C'est moi qui ai fait diversion pour t'aider à t'enfuir du château. Et les mercenaires qui ont protégé tes arrières au Colisée, c'est encore moi. Tu l'ignorais, voilà tout. Maestro Machiavelli, Cesare est revenu à Rome, seul. Il se dirige vers le château Saint-Ange. Grazie. Alors? Cette décision t'appartient, Ezio. Niccolo, tu dois continuer à me prodiguer tes conseils. Sinon, à quoi me servirait un compagnon aussi avisé que toi? Achève-les, Mentore. Qu'on en finisse enfin. Bon conseil. Un jour, j'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. Fais en sorte qu'il soit court. Et voilà, nous venons de finir, je pense, la séquence, cinématique longue, mais cinématique importante quand même, dans l'histoire d'Assassin's Creed Brotherhood et dans l'histoire d'Ezio. Hein. Parce qu'on vient de terminer la séquence 7, il nous reste plus que 2 séquences, si mes souvenirs sont bons. Et oui, plus que 2 déjà, sans compter le DLC, la disparition de Da Vinci, mais voilà.
ça fait déjà deux DLC en moins, enfin deux DLC, deux séquences qui restent. Mais voilà, cinématique très importante quand même dans le jeu, et c'est à partir de là que ça va un peu bouger, puisque là vous avez pu voir quand même que Maria, la sœur de Ezio, devient une assassin, Ezio devient le chef de la confrérie carrément, de l'ordre, enfin ouais, plutôt de l'ordre des assassins. Il reprend donc la place qu'Altaïr avait antérieurement, on va dire. Donc ce n'est pas rien. Là, on retourne à la séquence suite, cette fois, les Borgia. Et là, ça va chauffer pour leur gueule. On va plus avancer de leur côté, puisque là, en fait, on réglait plutôt nos querelles entre nous, hein, entre guildes, enfin, entre la guilde des assassins. Donc bon. Alors, on va juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, interagir avec ça. On va regarder les quêtes pour les marchands. Bon, déjà, on aura bien avancé, hein. Ça fait plaisir. Alors, passez tous les messages. En fait, en gros, les assassins ont gagné des niveaux, hein, c'est tout simple. On va leur augmenter vite fait. Alors, armure, hop. C'est bon. Clac. Armure, clac. Je fais ça vite, hein. C'est pas vraiment intéressant pour vous. Mais je le fais puisque, voilà, c'est important quand même dans le jeu. Personnellement, je les améliorerai pas à fond puisque dans ma partie, c'est déjà fait. Par contre, vous, comme je le dis, hein, faut vraiment tout faire. Ça peut vous être grandement utile. Personnellement, les assassins, je trouve que c'est un plus, mais c'est vraiment utile. Voilà, franchement, faut vraiment les faire. Ça peut vous dépanner. Moi, personnellement, en solo, enfin, quand je jouais tout seul, enfin, quand je jouais sans filmer, plutôt, on va dire. Ah mince, j'ai toujours pas fait. Attendez, je me suis gouré. Je les ai pas envoyés en mission. Personnellement, quand je jouais en solo, je les envoyais en mission, etc. Ils me ramenaient des trucs ou ils me ramenaient de l'argent et voilà. Mais pour moi c'était pas vraiment important. Mais là, alors attendez, je vais juste regarder ça. On va envoyer des assassins niveau 2. Hop, ça va leur faire du bien. Venise, y a plus rien. Barcelone. Ah, ça peut peut-être faire monter pas mal de niveaux ça. Non, trop dur pour eux. Beaucoup trop dur. Ah, niveau 3, ça peut être pas trop mal. 4 T4, voilà. On va envoyer le niveau 2 avec eux. Et attaque d'un propriétaire, on va envoyer les 3 niveau 3 là-bas. Alors je sais hein, par exemple, 2 niveau 4 suffisait, ça remplissait la barre à 100%. Or, je préfère pas prendre de risques. Et même si la barre a atteint 100%, je préfère envoyer un petit level derrière, comme ça lui prendre l'exp. Et en même temps, ça me rassure. Après voilà, hein, c'est peut-être moi, c'est voilà, j'ai des tics bizarres, enfin j'ai des trucs bizarres. Et... c'est comme ça. Bref, je sais même plus si je vous ai demandé des nouvelles, mais en tout cas ça fait voilà, on va retourner cette fois dans la vraie histoire. On va un peu oublier les querelles qu'il y avait entre la Volpe. Comment il s'appelle, Machiavelli, voilà, au moins là, cette fois, on va vraiment continuer, et on va d'ailleurs aider le citoyen, qui est là, on va l'aider, la citoyenne même, d'ailleurs, oh, une citoyenne, ça me plaît beaucoup. Je sais qu'il y avait un pote qui s'amusait à avoir que des assassins femmes, et pas des assassines, alors, ça, je tiens à le dire et redire, c'est un truc qui m'énerve, que j'ai vu beaucoup de fois sur des forums, etc., c'est le mot assassine. Oui, je suis désolé, je parle pendant la cinématique, mais bon, on sait ce qu'ils vont dire. Si tu veux aider, le soulèvement de Rome a commencé, etc. On connaît. Un truc qui m'énerve beaucoup, c'est les gens qui disent assassine. Non, on dit une assassin et un assassin. Si vous ne croyez pas, etc., vous avez juste à regarder le Let's Play d'Assassin's Creed 2 ou même sur Internet, etc. Ou bref, rejouer Assassin's Creed 2, pardon. On dit bien une assassin, Lucille, pardon. Lucie, si, oui, merde. Lucie le dit elle-même qu'elle est une assassin. Et pas, elle aurait dit une assassine. Et voilà, ça c'est un truc qui m'énerve. C'est un peu débile, mais voilà, c'est juste que non, c'est une assassin. Enfin, bref, on va continuer. Alors par contre, je vais juste appeler un cheval. Parce que alors là, je pense qu'il va y avoir du chemin à faire. Oh, il y avait un autre citoyen à aider, mais on va pas vraiment l'aider. Hein. Je ferai des petites quêtes annexes. Ah oui, je vous avais promis de continuer aussi l'histoire de... alors c'est pas Maria, de la copine qu'Ezio avait à Venise. Rappelez-vous, on avait fait le premier épisode, on va dire. Je crois que c'était au début du Let's Play, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça remonte et on continuera, hein. Bien entendu, on continuera quand on aura fini le jeu ou avant de finir le jeu. Puisque en fait, la fin va arriver très vite, donc je pense que ça sera... je pense que ça sera après avoir fini le jeu.
Je pense. À vous de me dire dans les commentaires, mais personnellement, je pense le faire après le jeu. Tout ce qui est annexe, donc ça veut dire les machines de Leonardo, les quêtes de Maria, les petits trucs comme ça, les quêtes des persos multijoueurs, moi j'appelle ça comme ça, je sais plus comment, je crois que c'est règlement de compte, un nom comme ça. Ça je vais les faire, les trucs vraiment vraiment annexes, je ne pourrais pas les faire, enfin je ne pourrais si j'avais envie de pas les faire, mais je les ferai quand même, puisque je trouve ça utile à faire. Alors, introduisez-vous dans le château Saint-Ange, j'ai allé trouver le pape dans son dans ses appartements. Donc là on va carrément frapper à la porte de Rodrigo Borgia, hein. Je me rappelais, mais je me rappelais pas aussitôt. Donc, cette fois pour les boules parce que je me suis pas appelé pas les. Enfin, si, parce que j'ai ma tenue même quand même, tout de même. Y aller comme ça, bon, synchronisation totale, échec. Ça, pareil, hein, je suis désolé de pas faire les synchros totales, etc. Mais ça serait possible de les faire. Mais me connaissant, en commentant et en même temps d'essayer de faire le 100%, on va dire, la synchro totale, ça serait impossible. À la limite, je pourrais les refaire un séjour en différé, pas en live, quoi. Je ne pourrais pas les faire en live. En live, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas. Je sais que je serais pas assez concentré pour le faire. Là, par contre, attendez, je suis juste en train de me paumer dans le droit, je crois. Je sais pas ce que je suis en train de foutre, attendez. Ah ouais, bah d'accord. Bah en fait, c'était moi qui me suis complètement gouré. Je sais pas où que j'allais partir. Alors, en plus, c'était fermé là-bas. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Mais enfin bref, c'est par là. On peut y aller comme ça? Ah bah oui, autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Hop. Donc là, vous voyez que l'arbalète vous sert énormément. D'ailleurs, alors attendez. Je tiens juste à regarder un truc. Voilà. Quand vous tirez un carreau d'arbalète, n'hésitez pas à fouiller le corps après, ça peut toujours vous servir à faire des économies. C'est pareil dans d'autres jeux, hein. Brotherhood n'est pas le seul. Beaucoup d'autres jeux le font, quand vous utilisez quelque chose, vous pouvez le reprendre sur un corps. Et c'est vraiment vraiment utile, ça permet de vous faire des économies et de réutiliser l'objet plus tard. Personnellement, c'est comme si voilà, je tirais énormément de coups d'arbalète, mais je n'en perdais pas une quoi. Je perdais aucun carreau d'arbalète, vous voyez le truc. J'exige de voir le pape! Sa sainteté vous attend tout en haut du château, dans ses appartements. Hors de mon chemin! Donc voilà, là on vient de voir le fils de Rodrigo Borgia, donc Cesare Borgia, qui vient d'arriver dans son palais, hein, on dit, enfin. Dans le château Saint-Ange, je ne sais plus. Alors là, attendez, j'ai un trou de mémoire. Pas par là. Je vais aller par là, je suis désolé, j'ai eu un trou là. Non. Attendez, je sais pas trop si ça va être plus court par là, on va voir. Alors ça par contre c'est super, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui dans Brotherhood, mais ils pop à des endroits, enfin voilà, c'était pas prévu. Hop, n'empêche la tenue des Ezio, je suis en train de réagir, mais elle est vraiment belle, hein. Brotherhood... Ezio a vraiment l'une des plus belles tenues que les assassins ont eu, je trouve personnellement, c'est mon avis. Je trouve que celle de Brotherhood est simple, hein, ça je suis d'accord avec ceux qui pourraient le dire, mais je trouve qu'elle est resplendissante et qu'elle brille bien, enfin, voilà. C'est mon avis, mais je trouve qu'elle est vraiment vraiment belle. Alors, et d'ailleurs ça m'a fait plaisir de la retrouver sur AC3. Ça fait vraiment plaisir et qu'ils aient laissé toujours la bure d'Altaïr. Dommage, ils n'ont pas remis la tenue d'Altaïr. Alors pour ceux qui comprennent pas et qui se disent il y a aucune différence entre la tenue et la bure, les fans comprendront c'est quoi la différence. Mais je tiens à dire, alors en fait pour ceux qui se demandent ce qu'est la bure ou la tenue, la bure d'Altaïr, c'est simplement la bure que vous voyez sur la pochette du jeu, hein, sur la pochette du Assassin's Creed 1 des révélations. C'est la bure qu'on connaît plus particulièrement, hein, personnellement. Personnellement, j'ai fait mon cosplay aussi comme ça. C'est la bure d'Altaïr, qu'on n'a plus l'habitude de dire tenue d'Altaïr. Même moi, personnellement, je dis, tiens, j'ai fait... quand des gens me disent, c'est toi qui as fait la tenue, je dis oui. C'est moi qui ai fait la tenue d'Altaïr, alors que je pourrais dire la bure d'Altaïr, mais pour moi, c'est une tenue. Mais bref, dans le jeu, elle est prénommée une bure, donc voilà. Ce qui n'est pas totalement faux, puisque c'est une bure, hein, de base, c'est une bure de moine qui a juste été... on va dire refait pour l'occasion, qui a été remasterisé, hein, pour que les assassins ne soient pas vraiment vus, puisque bon, dans les derniers épisodes,
Il n'y a plus vraiment cette discrétion qu'on trouvait avant. Hein. Mais les assassins ne devaient pas se faire opérer. Et la bure, justement, qui était inspirée de ceux des moines, permettait de se dissimuler parmi les moines, les vrais moines, voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, hein, pendant le let's play, ou pour ceux qui ont joué à AC1, au bout d'un moment, une de nos cibles, alors je sais plus le nom, excusez-moi, mais une de nos cibles, justement, se méfie d'un moine, en insinuant que lui, c'est un assassin et tout. Et le moine dit, bah non, les assassins utilisent nos tenues, justement, pour dissimuler. Bref, la bure d'Atahir, c'est ça, donc ce que vous pouvez voir sur la pochette de la pochette du premier Assassin's Creed, ou de Révélation. Et la tenue d'Altaïr est en fait la tenue, la tenue qui est donnée dans Assassin's Creed 2 quand vous trouvez les 5 sceaux, les 6 sceaux, je sais plus. En tout cas, quand vous trouvez les sceaux, à la fin, vous gagnez, vous débloquez cette tenue, puisque bon, vous débloquez, hein, vu que elle est cachée dans un truc. Vous débloquez cette tenue et que vous retrouvez alors dans... Alors là, j'ai un doute, normalement, c'était dans Brotherhood, je crois. Je crois qu'on la retrouve dans Brotherhood, enfin bref, on la retrouve après. Donc voilà, c'est ça la différence. La tenue d'Altaïr, pourquoi? Parce qu'il l'a eu après, hein, c'est lui qui l'a créé. Mais voilà, pour moi la vraie tenue, c'est celle qu'on voit sur AC1. Mis à part ça, je vous ai saoulé, j'imagine. Mais c'est pas grave. Alors oui, nous sommes déjà à 21 minutes de vidéo, hein, je blablate. Mais je fais attention au temps. Mais on va quand même monter en haut, j'ai pas envie de redescendre. J'ai pas envie de recommencer maintenant. Donc on va finir notre ascension et peut-être qu'après on se quittera. En tout cas, je vais pas aller au-delà de 30 minutes. Franchement, ça va peut-être être un épisode un peu plus long que d'habitude, ça c'est même sûr. Hein. C'est déjà le cas, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on va faire attention tout de même. J'ai pas envie que vous vous endormiez. Surtout que là, c'est un épisode assez important. Je vous avais dit qu'on allait avancer dans l'histoire. Pour vous, ça va peut-être être pas de l'avancement, mais ça l'est. Hein. On avance vraiment dans l'histoire. Puisque là, voilà, on a atteint la séquence 8 et on est donc à 2 séquences de la fin. Je crois que j'ai fait cette ascension pour rien. Je crois que là, je me suis fait passer pour un gros con. Bah, c'est pas grave. Ah, puis en plus, je meurs. C'est super. Alors, je crois qu'on a fait ça pour rien. Là, je suis en train d'être blasé. Je me dis, purée, si j'ai fait ça pour rien, j'ai perdu au moins 10 minutes à monter. Je suis dégoûté. Là, je suis en train de réagir que je viens de faire une grosse connerie. J'espère que ça va repop vite. Ah putain. En plus, on retourne là. Ouais, j'ai fait le con, fallait bien. Ok. Donc en gros, on s'est fait chier pendant 10 minutes. Enfin, je me suis fait chier à monter pendant 10 minutes ça. Alors que ça servait strictement à rien. Et vous, en plus, vous qui regardez la vidéo, vous me l'avez même pas dit. C'est ça le truc. C'est super. Le gars qui met la faute sur les viewers. Non mais c'est ça, non mais c'est trop ça. Ouais voilà, je me rappelle en plus, voilà, je me disais bien que j'avais pas tué cette cible là. Bon bref, ce n'est pas grave. Je vais essayer de me remanier le cul, histoire de pas vous endormir. Oh là 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 là, que des bourdes. Alors oui c'est vrai, je rattrape pas mes flèches, mais j'ai envie de me manier le cul là parce que... Oh, en plus le PVR qui bug au même moment, je fais pause de tombe, hop. En plus ça bug, enfin non ça bug, ça c'est pas grave mais... Oh purée. On n'a pas le temps. Hop. On n'a pas le temps de se battre. Au pire, à la limite, s'ils me suivent, je jetterai un déluge de flèches. Hop. Et est-ce que ça va le faire? Ça l'a pas fait, je m'en doutais. C'est pas grave, je perds des points de vie. Hop. Oh, je m'en fous, je rush dans le tas. Là, franchement, vous m'avez saoulé, les gars. Vous m'avez saoulé. Hop. On avance. J'ai envie en fait de bien continuer. Bon, on va aller jusqu'à 30 minutes aujourd'hui. Ça sera une vidéo un peu plus longue, ce n'est pas grave. De toute façon, je trouve que 30 minutes, ça va, c'est raisonnable pour un épisode de Let's Play en tout cas. Je me permets 30 minutes pour une fois et j'ai pas envie de vous laisser seul. Alors rappelez-vous, hein, la clé, pour ceux qui n'ont pas suivi, la clé a été dérobée sur la personne qu'on accusait d'ailleurs, qu'on accusait même pas, qui était en fait la cause de notre attaque à Montelegioni. Hop, normalement si mes souvenirs sont bons, ah bah mes souvenirs sont pas bons, ah bah non mes souvenirs sont pas bons, autant pour moi. Bon, d'accord. Là ça m'étonnerait. Bah merde.
Alors, je suis désolé si je parle pas, mais en fait, je cherche. Logiquement. Ça devrait être là. Hein. Ah oui, ok. C'est bon, autant pour moi. Donc aujourd'hui, on va aller à 30 minutes. Hein. Je vais m'arrêter vers 28-29. C'est pas grave, ça fera un épisode plus long. J'ai envie vraiment qu'on avance dans ce let's play. Que vous ennuyez pas. Et voilà, c'est vraiment pour avancer que je fais ça. Hop. Là, on va continuer. On va essayer de monter. Et voilà, j'ai vraiment envie que vous voyez les moments clés. Je sais pas, en ce moment, j'ai vraiment envie de vous montrer des vidéos. Je pense que vous l'aurez compris. On va descendre. Hop. Hop. Voilà, on continue. Hop là. Alors, on descend. Alors là, si je parle pas ou que si je fais des petits bruits, en fait, si je fais juste hop, 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 c'est juste pour que j'ai pas envie de tomber et me concentrer un peu. J'ai vraiment pas envie de recommencer toute cette montée. Déjà, je suis vraiment blasé, en fait, d'avoir fait la montée. Alors, il y en a qui peuvent dire, oui, tu peux faire une ellipse, etc. C'est ce que je faisais à un moment, mais personnellement, c'est vrai que c'est chiant à voir. Mais je sais pas, je trouve que ça enlève le but du live. C'est mon avis. Hein. C'est mon avis, enfin bref. Je trouve que ça fait pas spontané, quoi. C'est rien. Hein. Ça entre aucune et pas d'importance. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous en cette sainte journée? On va essayer de se manier les culs, les enfants. Bim! Oh non, raté. Hop, toi, c'est cadeau. Toi aussi. Ah non, même pas, j'ai raté. Oh, j'ai raté. Oh, lui, par contre, c'est bon, ça. Oh, c'était bon. Et voilà, enchaînement. Que du talent, du talent. Hop. Et d'ailleurs, en parlant d'enchaînement et de talent, le truc a rien à voir. Soyez pas étonnés. Je suis désolé de faire des E, mais en fait. Soyez pas étonnés que je vous sorte d'ici peu encore des vidéos sur Forza 4. C'est comme vous l'aurez compris sur certaines vidéos, je joue beaucoup à ce jeu. Parce que je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. J'adore les jeux de bagnole. Hein. Je suis un gros bof, non. Pour ceux qui viennent sur les lives, ils vont savoir que je suis un gros bof, mais non, sérieusement, j'adore, enfin j'aime bien les bagnoles. C'est vrai que j'ai pas de permis, etc. Mais oh yeah. Et ça fait plaisir de retrouver un bon jeu de voiture, simplement parce que Need for Speed, j'étais un peu déçu de ces dernières années, je ne pense pas être le seul. Pas graphiquement, hein, parce que Need for Speed a jamais été dégueulasse graphiquement. Mais niveau gameplay, j'étais un peu déçu que ça soit pas recherché et tout. Et là, pour vous dire, je suis à plus de 50 heures de jeu sur Forza 4 et j'en suis qu'à 50%. Donc voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Non, et puis je sais pas, j'ai vraiment bien aimé. Ça fait un bail hein, que Forza 4 est sorti, je le sais. Mais j'avais vraiment pas pensé à l'acheter puisque c'était de la simulation auto et je suis pas vraiment jeu de simulation automobile. J'avais. À l'époque, j'aimais pas trop Gran Turismo et je pense que c'est ça qui m'a un peu enlevé des simulations auto. Et Gran Turismo, j'avais bien aimé, mais voilà. Le permis m'enlevait le plaisir de jouer. Et Forza, bah j'ai retrouvé un peu du plaisir à jouer. J'avais Forza 2 à l'époque, mais Forza 2 me décevait. Et bah voilà, je n'avais pas vraiment non plus aimé. Et là, Forza 4 est vraiment complet, je le conseille à plein de gens. Et je vous conseille d'aller voir les vidéos pour ceux qui veulent se faire un avis. Franchement, c'est vraiment un bon jeu. Et qui ne cesse que d'être bien. Simplement parce que la communauté déjà est vachement sympa. Oh non. Alors là, oui, vous venez de voir ce que vous venez de voir. Je me suis raté en descendant tout ça. En tout ça, oui, bien sûr, tout ça. Donc, je suis désolé, les amis. J'avais promis de faire 30 minutes de vidéo et tout. Mais là, vous pouvez comprendre que actuellement, je suis entre l'énervement et et plusieurs émotions. Non, je suis vraiment blasé de m'être raté comme ça. Et preuve qu'il faut faire attention à ce qu'on fait à l'écran. Et aussi à ce qu'on dit. Donc voilà, bon bref, je suis vraiment désolé. Mais là, voilà, ça va blaser de descendre tout. On continuera dans le prochain épisode. Donc aujourd'hui, bon, on aura quand même avancé. Même si pour vous, ça peut ne paraître pas vraiment avoir beaucoup avancé. Mais les séquences vont être courtes, vont être vraiment courtes. Je me rappelle avoir été étonné par la rapidité de la fin de Brotherhood. Donc voilà, la fin va vraiment venir vite. Puis ça sera pareil pour Révélation d'ailleurs. Révélation va venir assez vite et assez trop aussi. Les trois derniers opus vont assez vite niveau fin. La séquence 9 va être vraiment jouissif, mais voilà. En ce moment, ça va être que des quêtes comme ça. Bon, je suis vraiment désolé de mettre fail hein, de tout là-haut et aussi de l'épisode précédent, mais bon, ça fait partie des lives. Je pourrais faire
un coupage, etc. Je comprendrais ceux qui me diraient ça, mais voilà. Ça fait partie des aides du direct. En tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce vert si ça vous a plu malgré ce fail gigantesque. N'hésitez pas à suivre mes vidéos de mes vidéos précédentes, mes vidéos d'Assassin's Creed 2 et d'Assassin's Creed 1, hein, parce que d'ailleurs j'ai remarqué que mes vidéos d'Assassin's Creed 1 en ce moment étaient vues. Donc ça fait plaisir que mes premiers let's play avancent et voilà. En tout cas, je vous lâche pour aujourd'hui. Geekez bien, c'était Shadow Nightmare. On se retrouvera pour le prochain épisode, le numéro 23. Geekez bien, c'était Shadow Nightmare.